Notre métier, c'est de valoriser les productions maraîchères locales. Agriviva me permet de commercialiser des produits qui sont, on va dire, non conformes pour le système de la grande distribution. Lorsque les légumes arrivent dans l'atelier, notre travail consiste à les nettoyer, les parer, donc enlever les parties indésirables, et puis les découper selon les demandes de nos clients. Cet après-midi, on va passer du butternut en cubes, on va passer à environ 400 kg. Nous sommes une entreprise d'insertion conventionnée par l'État. Nous accueillons du personnel en insertion professionnelle, éloigné de l'emploi et qui petit à petit va acquérir des compétences pour retrouver un emploi durable. Je travaille l'après-midi de 13h à 18h en général et je fais le nettoyage des machines et du sol. Nos principaux clients sont la restauration collective, donc les cuisines centrales. Alors, le rôle de la légumerie, c'est de garder la production locale sur le territoire avec toute la chaîne des acteurs de la transformation alimentaire. Puisque nous, notre demande, c'est d'avoir des produits de saison, des produits locaux, des produits bio un maximum. Donc un acteur comme Agriviva, pour nous, c'est un acteur très important et qui participe à ça. On facilite le travail des chefs cuisiniers ensuite qui mettent en œuvre les légumes. On fournit les écoles maternelles et primaires de la ville. Agriviva a un peu ce rôle-là de connecter les enfants avec l'agriculture locale. Depuis peu, on est très fiers de pouvoir proposer dans les supermarchés occitans une gamme qui s'appelle Cuisinons l'Occitanie, où ce sont nos légumes préparés par nos soins à Montpellier qui sont 100% d'origine locale. Donc c'est une offre qui varie au gré des saisons en fonction de ce qui pousse dans notre région.